Hey, salut à toutes et à tous les amis, c'est Gaming Louis. Alors, j'ai eu un petit problème au début de la première vidéo. Il n'y a pas eu d'intro, il n'y a pas eu ben, grand-chose en fait. Il n'y a pas eu grand-chose. Ben, en fait, il y a eu un problème tout simplement au lancement du début de la vidéo. Et c'est vraiment dommage. Et d'ailleurs, à la fin de la vidéo, j'étais mort. En fait, je me suis noyé dans le jeu. J'ai réussi à retrouver pas totalement, pas tout mon stuff non plus, mais j'ai réussi quand même à retrouver une quasi-totalité de mon stuff. Bon, un truc qui est sûr que j'ai pas, c'est l'épée en fer. Je sais maintenant où est le portail, donc le portail de l'aine du Nether. Donc là, j'allais mettre les clôtures en chaîne devant ma baraque. Devant ma baraque comme porte. Voilà, on va les mettre là. Clafoutis. Putain, le roux que j'ai fait là. Va aller dormir. Voilà, hop, 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 hop. Voilà. On dort un coup. Merde. Alors, abonnez-vous les gars, c'est gratuit. En vrai, quand tu regardes comme ça fait flipper, tu sais, tu vois tout, c'est stylé. Mais ça fait flipper. Oh non! Ah, je crois que c'est parce que c'est trop collé. Il y a moyen, oui. On va enlever une couche. Qui est-ce du gravier? Ça me laisse un trou. Hop. Du coup, la carotte, on va la replanter. Hein. Voilà. J'espère que tu pousses un. Hein. Voilà, en vrai, deux de haut. Et bon, là, il y a un de large. Avant, il n'y avait rien. Je pense que c'était à cause de ça que ça avait cassé. Bon. Il faudrait que j'utilise les touches là, en fait. Parce qu'on entend toujours les touches là. Et jamais ceux-là. Bon. Excusez-moi, je suis encore un peu énervé de tout à l'heure. Parce que, bon, vraiment, je suis mort, mais vraiment, bêtement, mais franchement, j'ai vraiment fait du caca là pour le coup. C'était du caca en soupe. On va mettre tout ça dedans. Sans garde. Le seau. Je vais juste rester pour voir si jamais ça pousse. Parce qu'en fait, si jamais ça pousse. Niveau de la bouffe, je suis bon. Parce que là, si jamais ça pousse, je fais toute une rangée, mais gigantesque de carottes. Mais gigantesque. Je vais me faire une épée en fer parce que j'ai l'impression qu'il y a un monstre. J'ai plus de fer. Bah, écoute. Alors, par contre, la pioche en fer, ça, c'est sûr, net et précis. Hein. Sûr, net, précis. Et je peux faire un tailleur de pierre. Bon, pas utile. Mais pas utile du tout. Alors, j'ai failli faire là du caca. J'ai pu. Ah, non, ils sont là. Le poulet, on va le garder parce que ça donne beaucoup de bouffe. Silex, on garde. J'avais genre au moins 11 de silex avant. Et là, j'en ai plus que 2. Ah, laisse tomber. Quand tu meurs, tu perds vraiment beaucoup en fait. En réalité. La réalité, c'est que ouais. C'est ça en fait. C'est. Dégoûté. Franchement, je suis dégoûté. Les gars, j'ai l'impression qu'il y a un monstre qui est en train de monter les escaliers. J'ai tellement peur là. Je suis mort une fois, tu vois, ça me fait pas plaisir. Mon armure, bon, ça va, c'est pas comme si j'étais mort d'un creeper. Mon armure elle serait éclatée. Par contre, un truc que j'aime pas, quand je descends, je suis obligé de faire ça.
Sinon, tu vois, t'as le truc YouTube, vraiment le truc nul qu'ils font là. Hop, on ramasse vite fait de l'eau. Et comme j'avais dit tout à la dernière fois, dans la dernière vidéo, je vais faire un sol carrément. Bon. Alors, déjà, on va continuer vers là. Ah. Problématique ça. Je rigole, hein. Alors, gravier, on va le mettre là. La pierre, on va la. Putain, c'est de la pierre comme ça. Bon. Ok, cool. Ah, vas-y, rends. Rends-moi l'eau. Il m'a volé mon eau. Eh, ma touche, elle marche plus, gars. Oh non. Mais pourquoi, gros? Fou. Allez hop, paf, a pu. On va faire quoi maintenant? Rien du tout, parce qu'il y a pu de lave. Allez, collecter. Bon, si elle peut partir plus vite la lave, ce serait génial. Attends, tout ça, juste pour ça? Non, ça cache des trucs derrière. Obligé, ça cache des trucs. Si jamais ça cache rien du tout, je rage. Mais d'une puissance incommensurable. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Attends, j'ai eu peur pour rien. C'est un mineshaft? Je sais pas. J'ai un doute. Je fais demi-tour vite fait parce que j'ai pas de torche. Ouais, et les gars, j'ai l'impression d'être oh, sous cocaïne, les gars. Je pars tout vite quand même. On va juste faire un beau sol. Un beau sol, bon, voilà. Voilà quoi. Et je vais mettre des torches un peu partout en bas. Ça serait que. Attendez, je vais activer l'auto. L'auto-jump. Alors, accessibilité, tac 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 tac. Bon, bah, y a pas. Y a pas. J'ai pas envie de chercher partout. Ah, si, voilà, saut automatique. Du coup, là. C'est la merde. Attends, c'est quoi ça? Je l'ai pas activé, c'est pas possible. Je l'avais trouvé où? Là encore. Attends, saut automatique. Ah mais c'est clavier souris. Oh là là, je suis bête. Bah ben voilà. Mais moi, je peux faire ça en grattant le nez. J'aime pas du tout. L'autre saute deux fois. Ding 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 ding. Je préfère rester appuyé sur carré quand même, sur croix pardon. Voilà donc ce truc caché dans la, de la manette, truc caché de la manette quoi. Je peux faire ça, cacher le curseur de la manette. Permutation. Pas besoin. Ah oui, c'est vrai que je suis plus en saut comme est-ce. Donc, on va rester appuyé là. Normalement, ça finit cuir non? On va mettre ça en cuir. Ça veut pas pousser? Mec, c'est pas possible. C'est trop court au-dessus ou quoi? Il y a pas assez au-dessus ou quoi? Non, non, j'ai pas envie de le faire dehors, j'ai envie de le faire dans une grotte. Mec, avant ça marchait, gros, je te faisais des plantations de fou. Attends. Elle a repété? Genre elle a pété ultra vite gros. Regarde. Elle a pété dès que j'ai touché à au-dessus. Genre là. Hop. Oh non. Je sais pas, elle a directement pété, gros. Je vais la laisser là.
Elle a cassé. Non. Ah là, c'était moi qui avais fait ça. Je suis tombé dans l'eau. Bon. Toi, c'est déjà beaucoup mieux comme ça en grand. J'ai pas souci le faire là, tu vois. Allez, c'est parti. Donc là, on va casser ça. Alors, si vous entendez une porte là qui claque, c'est vraiment mes putains de chats de mort. Et bah, croyez-moi, ça me casse les couilles. La nuit, elle a fait ça toute la nuit. C'est terrible. C'est totalement terrible. Je sais pas si. Putain, non, il faut que je le fasse à l'intérieur. Hein. Bah, à l'extérieur, pardon. Ouais, c'est parti. Je vais juste dormir. Que la nuit, donc on est le jour. Bonne déduction, l'oops. Ouais, bon. Alors vraiment, hein, je vais pas me gêner, je vais le faire à l'intérieur, là vraiment, juste là. Hop. Parce que moi, ça me fait vraiment chier parce que là, du coup, j'ai fait un truc pour rien. Alors voilà, tac. Par contre, ma mère avec son téléphone, elle pourrait au moins l'éteindre parce qu'on entend quand même tout. Franchement, ça m'énerve, ça me. Bon, je vais rien dire parce que ça me. Ouais, non, franchement, ça me casse les couilles, c'est tout. Bon, on va. Ouais, c'est moche. On va enlever ça. Allez, on va mettre de la pierre comme ça. Voilà, tac, 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 tac. Gobble. Du coup, il fallait que je fasse un truc, je ne me rappelle plus. Je suis sous cocaïne. C'est faux, les gars. Il n'y a pas de drogue. Droguez pas. Pourquoi je dis pissenlit là? Pissenlit les merdes. Je vais faire un truc. Oh oui, je sais ce que je vais faire là. Je vais faire un trou là. Avec le seau d'eau. Qui d'ailleurs, quand je vais revenir, ce sera un seau de lave. Donc je vais faire encore un trou là. Je vais mettre mon eau là. Et je vais aller chercher de la lave. Alors pourquoi je vais chercher de la lave? Donc ne vous inquiétez pas, je vais faire un truc pour sécuriser. Ça sera tout simplement une poubelle, genre si j'ai pas besoin d'un truc ou alors un truc, genre de la chair putréfiée, elle sert à rien. À part, je crois, si jamais tu veux faire du truc chimiste. D'ailleurs, les gars, je vais mettre, enfin, à la place de mettre des cubes, parce qu'on est d'accord, ça prend énormément de temps à descendre, à monter. Et tout. Donc, allez, donc là où il y avait un truc, donc, hop. Déjà, on ramasse ça. Et je vais lutter de. Tac. Oh non, mais c'est une blague. Maintenant, je vais me rappeler ce que. On a la technique barbare. C'est ça, c'est un mineshaft. Les gars, on est tombé sur un mineshaft. Donc, au début, on a de la chance, j'ai l'impression, sur Minecraft. Et après, c'est vraiment tu te démerdes. Donc, là, tu vois, on peut tester déjà la poubelle en avant-première avec des clôtures en chaîne. Non, ouais, si, avec des clôtures en chaîne, ça marche. Ça marche du feu de Dieu.
Bon, hop, oh lolo. Et attends, j'ai du bois sur moi. J'ai pas de charbon. Donc. Maintenant j'en ai du charbon, oui. Bon, allez. On va faire du. Ok, pourquoi je passe en fabrication classique? T'as désolé les gars si vous entendez la manette, hein. Moi j'aime bien, franchement j'aime bien quand on entend les clics et tout. Voilà, donc là moi je fais vraiment tout, mais tout, tout, tout. Donc, hop, hop, hop. On prend la terre, mine de rien, elle peut servir au cas où si on tombe sur de la lave. Là, il n'y a plus rien. Mineshaft continue dans le sens du lapis. Alors, si on trouve du lapis dans un mineshaft, on est soit chanceux, soit on ne l'est pas. Mais, putain, j'ai eu peur. Oh, merde. Ah! On a une deuxième grotte. Enfin, deuxième grotte. Pas vraiment envie de. C'est un deuxième mineshaft? C'est un mineshaft fantôme. Mec, c'est quoi cette blague là? Mais les gars, c'est génial. Mais je vais tout looter. Alors, par contre, le truc nul avec les mineshaft fantômes, c'est que t'as du gravier absolument partout. Tu casses un truc, tu prends du gravier sur la gueule. Et tu suffoques. En gros, tu meurs. D'ailleurs, j'ai oublié de regarder si vous voyez des trucs la dernière fois. Donc, pour être sûr. La redstone, écoute, hein. Du lapis, ça m'a donné un faux espoir de ouf. Je me suis dit, oh yes. J'ai dit que je l'ai récupéré. Donc là, on peut continuer tout droit. Là, il y a du fer. Même pour l'instant, on ne récupère pas celle-là. Oh là 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 là. Là, attention, les pommes de terre. Parce que il y a un mineshaft là. Il y en a encore un au-dessus. Mais j'allais me dire, il y en a encore. Si jamais il y en a encore un en dessous, si que je ne trouve pas de diamant, bah clairement je relance une partie. C'est net. Parce que là, deux mineshafts gros, un en dessous de l'autre. Après, je sais pas si c'est normal qu'il y en a un en dessous de l'autre. Hein. C'est parce que ça se passe totalement normal et que je suis heureux pour rien. Bah là, on a du fer. Alors déjà, ce qui est cool, c'est que moi qui n'ayant plus de fer, ben là, je me remplis les poches. Putain, la manette qui bug là. Putain, je vois même pas pourquoi une manette devrait bugger, surtout au prix qu'elle m'a coûté là. Hein.
À la base du prix qu'elle coûte, elle coûte quand même 225 euros. Hein. Je l'ai payé 130 d'occasion. Razer Ridge Ultimate. Alors bien sûr, si jamais vous voulez vous en acheter une, allez-y. Moi j'en ai acheté une d'occasion après. Parce que c'est ça qui joue. Ou alors c'est juste la manette qui est morte. Tout. Allez, hop, on reste inesso, nous, on est trop fort. Je me suis quand même tué en me noyant. Hein. Donc on est trop fort, voilà, je peux me mettre un peu dans le. Donc ça, j'ai déjà fait. Je vais mettre une torche. J'ai déjà fait. Donc là, j'ai un. Alors ça, j'ai pas fait. Si, j'ai déjà fait. J'ai commencé. Faut toujours prendre des pelles, je m'en rappelle. Avec des potes, genre on faisait des mines comme ça, des mineshafts. On déglinguait du gravier. Peut-être des fois tu peux en avoir à l'envers là. J'avais dit quoi? J'avais dit quoi? Papa, papa. Ça c'est génial. Non. Oh, pas mal, pas mal. Hein. Torche, moi je prends. Tout ce qui est rail, en vrai, pour l'instant, on s'en fout. Ah, mais là, mec. C'était que j'étais bloqué pendant une demi-seconde et j'ai commencé à paniquer. du coup. Oh putain! Mineshaft piégé de mort de fils. Putain. Tu les reconnais à cause de ça. J'ai eu de la chance que c'était de l'eau et pas pas de la lave. Ah non, le mineshaft là il est baisé. Même s'il y a du diamant dedans, c'est mort. Après, si jamais t'es suicidaire, vas-y, hein. Oh, j'ai dû jeter un truc, du coup. Paf, voilà, y a plus d'eau. Tu vas faire quoi, maintenant? Elle est perchée. Ça, c'est normal si jamais ça bugue. C'est du gravier partout, ouais, ça sert à plus rien, plus rien. Mineshaft il est vidé. Hein. Mineshaft. Attendez, parce que là j'ai ramassé les rails du coup. On va ramasser les rails, on va même ramasser tout ce qu'il y a dedans à part les graines. Oh! Encore un peu, on les voyait pas. Ben on les a pas vus pour le coup. Donc du coup, on va faire ça. Simple. Attends. Pourquoi ça bloque? J'entends beaucoup d'eau, mais pas beaucoup de lave. Donc juste là, jusque là, ça va. Attendez. Parce que là, c'est là d'où je viens. Le crâne. C'est de l'or, mais il est bien placé quand même pour de l'or. Un mineshaft.
Avec au bout un gripper, yes. On va déglinguer la fontaine là. Voilà. Parce que sinon t'arrives plus à bouger, c'est chiant. Avec le mine. Oh, allez, de l'or. Ça continue. C'est tout. Le faux espoir de. La palette, je vais refaire ma touche. Je peux refaire ma manette parce que je ne l'ai pas fait encore. J'espère juste qu'il ne vient pas. Putain, toile d'araignée, gros. J'ai cru mon jeu avait frisé. Hein. Non! Putain, il a pété. Ah, les vieux sons là. Les sons qui mettent des frissons là. Autrement dit, les sons de merde. Désolé d'être aussi violent, mais je déteste les sons là. Je sais pas du tout si je suis le seul. Oh là là. Les gars, j'ai l'impression que je vais tomber sur du diamant aujourd'hui. J'ai l'impression d'être chanceux, faut que j'aille pisser par contre. Arrête de me tirer vers lui! Putain de cours d'eau de merde là! Il est à mort, mec. On va mettre un truc là. Là, pardon. Par contre, là, je commence à avoir vraiment beaucoup, beaucoup de stuff. Et je déteste. Je n'aime pas jouer avec autant de stuff sur moi. Et là, c'est en train de me mettre un mal de ventre. Et oh mon Dieu que je le sens. Hein. J'ai l'impression d'être une femme qui a ses règles. En sachant que je ne sais pas ce que c'est d'avoir ses règles. Car tu l'aurais deviné, je ne suis pas une femme. Désolé de partir sur des propos, mais là, je suis en train de me rassurer. Parce que si là... Je sens que je vais me faire niquer en vrai. Il y a un monstre qui va me. Il y a une araignée bleue. Il y a une araignée bleue, je tiens juste à dire ça, comme ça. Il y a un zombie. Deux zombies. J'ai pas de trucs à faire. Viens là. C'est mort. Casse-toi la fumée. Je crois qu'il y a deux araignées bleues. Mais aux endroits où il y a les araignées bleues, il n'y a pas le portail d'habitude? Je sais pas. Eh hey, mais eux ils attaquent direct je crois en plus. C'est quoi? On va s'en faire une sur nous. Ok, les deux sur moi, merde. Non, je suis empoisonné. Oh merde, je les ai butés. Heureusement, ils sont rapides à buter. Je dis pas que c'est. Oh là là, tu sors d'où toi? Non, nique ta race, connasse, va! Il y en a encore une. Ah la pute! Yes, spawner les gars. Oh la chatte. Non! Oh, j'ai eu la phobie des araignées pendant un instant, j'ai eu trop peur. Non les gars, il faut que j'arrête. Non, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte. Je prends juste les coordonnées. Oh putain, j'ai jamais eu la peur comme ça pendant un instant, alors que j'ai pas peur des araignées à la base. Oh mec. Oh la vache. Ok, donc là, mineshaft, génial, mais terrifiant. Franchement, il est. Ouais, non, franchement, tu prends le mineshaft là, tu peux mourir à tous les coups.
Bon allez, on se heal. Alors on va se heal, on va peut-être y retourner. Non, non, il me reste un truc, j'attends que je raise. Elle est là, la pute, elle attend, elle veut me goumer, gros, elle va me goumer. J'ouvre la porte, elle me démonte en vrai. Et je mens pas là. J'ouvre la porte. Je casse les blocs, elle me démonte. Allez, je suis à fond là, gros. Tu vas pas me dire que je ne peux pas raise. Un truc que j'ai oublié de faire. Prendre du bois. Pas faire table de craft. Donc si ma pioche casse et que je tombe sur du diamant. Comment dire, je prends la coordonnée du diamant. J'ai oublié qu'il y avait un spawner. On se voit pour deux coups, je les bute. Voilà, on se barre. Faut que je détruise le spawner, mais. Je croyais que ça avait fait le tour. Parce que s'ils auraient fait le tour, c'est qu'il y en aurait eu vraiment beaucoup. Attends. Parce que lui, je vais le mettre là. Elle, je vais le mettre. Dégage de là, toi. Voilà. On casse ça. On va casser lui avec. Et là, c'est parti. C'est parti pour. Putain, t'es morte. Putain de sa mère. Ouh. Ah la pute. Tant qu'elle me touche pas, ça va. Ah, ça prend trop de temps. Ça prend trop de temps, mec. Attends, il y a un coffre. Est-ce qu'il y a au moins un coffre? Putain! Venez, bande de petites putes. Venez là, bande de salopes de merde. Viens là, connasse. Tiens, t'aimes ça, hein? Carme. Tiens, toi aussi, vieille carme. Pourquoi tu m'attaques pas, Google? Eh, mais attends! Je crois le jour. Par contre, elle m'attaque, hein, ça c'est sûr, net. Elle m'a attaqué, la pute. Allez. En haut aussi. On se barre, allez hop. Ciao! Ciao! Alors désolé, des fois si jamais je m'arrête pour vraiment faire une photo de l'endroit où je suis, je ne retiens aucun chiffre. Aucun. Par contre le téléphone là mec, putain. Ok là y'a rien. Y'a rien. Allez monte là. Yeah! Je commence à m'énerver là. Il y a un peu d'argent là. Dès que ma pioche elle casse de toute façon, c'est la merde. De l'or. Ici. Genre je creuse au-dessus gros. Je tombe sur des araignées bleues. Araignée bleue de merde. Attends, c'est moi, ils sont juste là. Oh oui. Ça au moins ça a ramassé l'or, hein. J'ai un message, donc là je pense à un pote, tu dis on joue. Et je n'ai pas encore fini de. Pourquoi j'avais un accent allemand raciste comme ça là. Par contre, je tiens vraiment à m'excuser parce que. Par contre, la touche là, mec. Oh putain. J'ai failli mourir tout à l'heure, mec. Oh, celle-là aussi. Vas-y, là, mec. Et non, gros, je descends plus. Sorcière de mort là. Oh, y'a un coffre, putain, j'ai envie de prendre le coffre. Allez, merde, je suis. Oh, c'est pas une sorcière, désolé. Ah, par contre, tu me colle pas comme ça, connard. Va. Pomme dorée. Ah, il me crache dessus.
Mal élevé! Mais attends, il me rush! Eh non, 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 je vais pas traîner pour ça, gars! Tiens, coup de boue! Coup de boue, mon pote! Coup de boue, tu vas faire quoi? Tiens, fou! Putain, au début, je croyais que c'était une sorcière et tout! Du coup, là, les rails, on va les prendre. Rails. Le granit, on va dégager, on va prendre la pomme dorée au cas où si on en a vraiment faim. Si tu as faim, mange ta main. Putain, du coup, j'ai libéré l'eau. C'est pas grave. Vas-y, rentre là. Allez, c'est quoi leur toile d'araignée de mort là? Et avant, les toiles d'araignée, c'était bien. C'était pas aussi long. Bon, heureusement, ça m'a lâché parce que j'aurais pété un plomb. On aurait tenu encore 1 minute, toujours j'aurais fait. On se fait quand même bien chier. Bon. Moi, les gars, je vais pas tarder à aller manger parce que j'ai quand même faim, mine de rien. Par contre, niveau du bois, là, ça commence à devenir risqué. Je vais juste aller voir au niveau de là-bas. Allez, hop, tu mets un bloc là, il n'y a plus d'eau. Et voilà, il n'y a plus. Ok, c'est le spawn des connards. Ça part. Et là. Attends, mais mec, non, même si j'ai une enclume, ça change rien. J'ai pas de bois. Allez, hop, ça va casser de toute façon. Dans tous les cas, je ramasse ça. Ah, mais mec, je joue pas! Pas tout de suite, connard! Pardon. Parce que là, je suis énervé. Là, déjà, les. Putain, j'ai failli mourir tout à l'heure, je me rends compte. Je suis déjà mort tout à l'heure, déjà. Donc, enfin, tout à la première vidéo. Mais. Après, moi, d'habitude, j'insulte pas mes potes de connard. Hein, mais bon, déjà, ils font les putes avec moi. Pourquoi je devrais pas faire les putes avec eux, moi aussi? Hein? Hey, mais attends, mais je suis. Oh là là. J'ai du bois. Pardon. Mais j'ai pas de bois. Enfin, de planches. Enfin, t'as compris ce que je veux dire? Bon, alors ça déjà, ça va dégager parce que ça me casse les. Hein? Il y en a juste une là, des torches. Allez, il m'en faut deux, des trucs comme ça. On va prendre la hache, comme ça, vite. Tac. Hey, purée, j'arrive pas à bailler. Je suis un gangster. Du coup, bâton. Bâton four. J'ai du charbon, donc c'est bon. J'espère. Là, je me prends plein de. Là franchement j'ai vraiment juste. Ah, là je vais laisser cuire du coup. Mais attends, c'est où que je fais cuire? C'est ce que je vais faire. Je vais couper ça. Là vraiment j'ai pas confiance du tout. Tiens, en vrai je vais me faire démonter. Oh mais mec, il y a un trou en dessous encore. Oh mange. Bah écoutez les gars, moi je vais vous laisser là. Clairement, si vous avez aimé la vidéo, faites-le moi savoir les gars. Faites-le moi savoir en laissant des pouces bleus. Pardon. Et donc là, je vais me faire une pioche en fer. Et on va dégager ça.
parce que bah, je m'en fous. Et là, on va remonter clairement, comme ça, stoïquement. Ouais. Bon, moi les gars, je vous dis ciao. Ciao tout le monde, Booby. Voilà. Donc, ouais, non, attendez, je vais faire encore un autre truc. Ciao tout le monde, Booby.